à travers le domaine de cases, les sites expérimentaux, nous serons en mesure, avec ces cépages résistants ou tolérants, on peut employer des termes, tout en correspondant à la demande du marché, d'être effectivement dans un créneau favorable pour l'avenir de notre planète. Nous avons des enfants, moi j'ai des petits-enfants, les agriculteurs ont des petits-enfants. Nous souhaitons installer, nous souhaitons transmettre. Le domaine expérimental de Cazes a toujours été un lien, le maillon entre la recherche appliquée et au travers des diffusions, reliées ensuite par les conseillers de la Chambre d'agriculture de l'Aude auprès des vignerons, a été ce lien qui a permis, lors des visites, de transférer ce qui a été vu, observé sur le domaine, dans leurs exploitations. Donc ça, c'est un point très important. Les gens viennent voir au domaine avant d'appliquer sur les exploitations. Et depuis la création, depuis l'ensemble des expérimentations que nous menons, que ce soit phytosanitaire, biodiversité, mode de conduite, différents modes de taille, ainsi entretien du sol. Toutes les expérimentations qui sont mises en place sur le domaine de Cazes rentrent dans un prisme qui est la réduction d'intrants et qui colle au plan ambitieux qui est le plan éco-phyto de réduction des intrants. Il y a de plus en plus de demandes de transition progressive vers l'agroécologie, des pratiques alternatives, notamment la confusion sexuelle, et le recours à de nouvelles variétés. C'est ce qu'on met en valeur aujourd'hui dans cette journée. Donc des cépages qui résistent aux maladies et qui permettent de gagner beaucoup en IFT. Et c'est un vrai succès en fait, à la fois professionnel, puisqu'on a derrière à la fois des financeurs et des interprofessions qui sont motivés pour aller de l'avant vers cette innovation particulière. Il y a un bel avenir pour l'agriculture et pour le 21e siècle, bien entendu, et nous sommes là, les chambres d'agriculture, pour porter ces messages.